Pierre Palmade filmé à sa sortie du Ce détail qui surprend les internautes, ZAPTV. Samedi 18 février dernier, Pierre Palmade a été aperçu, puis filmé à sa sortie du tribunal de Melun. La vidéo du comédien, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Découvrez pourquoi. C'est une affaire dont les rebondissements ne cessent de s'enchaîner. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a été victime d'un violent accident de voiture au niveau de Villiers-en-Bières, dans le sud de la Seine-et-Marne. D'abord défini comme étant grièvement blessé, le comédien parvient à retrouver un état stable au bout de 2 jours. Ce qui n'est pas le cas des autres personnes présentes dans la voiture percutée par l'humoriste. Parmi lesquelles, un père de famille âgé de 38 ans, son enfant de 6 ans, défiguré. Et une femme enceinte, qui a perdu son bébé depuis. Une analyse toxicologie effectuée sur Pierre Palmade après la collision a permis de révéler qu'il était sous l'emprise de la cocaïne au moment des faits. Une nouvelle qui force désormais la justice à s'en mêler. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L'acolyte de Muriel Robin a pris compte de sa sentence vendredi 17 février dernier. Le parquet de Melun a finalement décidé de ne pas envoyer l'humoriste en prison, mais plutôt le placer sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique. Après avoir pris connaissance de sa sentence, Pierre Palmade a immédiatement pris la direction de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où il est assigné à résidence, d'après les informations de Paris Match. Vêtu d'un sweat à capuche gris, avec un masque sanitaire qui lui couvre une partie du visage, celui qui est visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques a d'ailleurs été filmé à sa sortie du tribunal, où il marche d'un pas déterminé pour monter dans un taxi. Mais un détail semble avoir surpris les internautes. Il est en forme Palmade. Il y a une semaine, il était entre la vie et la mort, des côtes cassées, etc. La médecine de nos jours fait des miracles à le voir gaper comme ça. Il marche vachement bien pour un gars qui a eu un accident grave. La famille en face n'a pas eu cette chance. Il n'a pas l'air d'avoir eu des côtes cassées. Il marche bien pour quelqu'un qui était vraiment mal. Peut-on lire parmi toutes les réactions ? La famille qui se trouvait en face de lui n'a pas eu cette chance.